Alors, bienvenue dans un nouveau jeu. Triste nouvelle, il ne sera pas possible de streamer Heavy Rain parce que j'ai la manette qu'il faut, mais elle ne veut pas faire capteur de mouvement quand c'est sur mon ordi. Et sans le capteur de mouvement, je ne sais pas jouer. En attendant, je regardais un peu des recommandations et j'ai trouvé ce jeu-là, qui s'appelle The Medium. Il a une bonne critique et apparemment il fait peur, donc on va espérer qu'il fait plus peur que Martha is Dead. On va bien voir. It all starts with a dead girl. Graphiquement, ça a l'air sympa. C'est la dame en blanc. Comment dire que ça commence très bien? Merci pour mes oreilles. Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened, this scar of a memory. A part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. Pourquoi il y a de la terre de partout? No wonder people used to think I was strange. If they only knew. J'ai l'impression que cette mécanique est pas mal utilisée dans les jeux. That day when the phone rang, Un personnage qui parle à l'écran au début. it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father. Dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. C'est vraiment très beau. Ça, c'est pas X, c'est carré. Donc, c'est l'agenda. C'est qui, Grégory? Lire. Octobre, 2 octobre, fête des saints anges gardiens, 3 enterrements à 10h, 4 ultrasons, 7 Notre-Dame du Rosaire, 9 biopsies, 10 envoyer le collier à Marianne. Ok, donc. Ouais, donc c'est l'agenda de son père. Visite du neurologue, enterrement à 12h30, ultrasons, visite du neurochirurgien, enterrement à 9h et 11h, aller chercher Marianne à la gare. Novembre, tous un jour des morts, opération.
Il y en a des enterrements dans son agenda. Il n'y a pas moyen que je mette les commandes en mode... En mode lui expliquer que c'est une manette PlayStation et pas Xbox. Visiblement non. Donc, je vais faire comme si j'avais une manette Xbox en main. Shit. Oh, pauvre petit chat, je lui fais peur. Nice to see you too. Ah, c'est vraiment très très beau. J'aime bien. Oh, il a plus à manger le petit chat. Non, je ne vais pas le nourrir avec la clé du funérarium. Elle est où la bouffe du chat? Looks nourishing. Ça a l'air ouvert surtout. Comment ça se fait que c'est ouvert? Ok. On nourrit le chat. Mais non. What's your face? Glad to see you're still kicking around. Il s'appelle Machin ou c'est elle qui sait pas comment il s'appelle? On va l'adopter le chat? Pour ceux qui n'auront pas encore compris, à force de m'entendre râler sur les miens qui n'arrêtent pas de passer pendant que je joue, j'aime les chats. Ah, symbolic funeral series mine. Enterrement symbolique de la mine de Sierza. Les mineurs de Sierza sont venus travailler aujourd'hui, comme tous les jours, mais en lieu et place de leurs lampes torches et pioches habituelles, ils transportent un cercueil noir orné de chandelles allumées, symbole du décès de leur société. Ce n'est pas l'enterrement de la mine, expliquent les membres du comité de sauvetage de Sierza. Nous refusons qu'on enterre nos postes. Ce cercueil, c'est celui de la houillère de la Vistule. J'ai rien compris. Les mineurs ont aussi annoncé la poursuite du travail demain. Ils ne croient pas à la liquidation de Sierza. Pendant ce temps, les employés murent symboliquement le siège de la houillère de la Vistule à Tichy, à raison d'une couche de briques par jour, plus que 5 couches avant d'atteindre le plafond. La nouvelle mission de l'OTAN, préserver la stabilité dans le monde de l'après-guerre froide. Bill Clinton, président des États-Unis, a prononcé aujourd'hui un important discours de politique étrangère pour commémorer la chute du mur de Berlin. Monsieur Clinton a évoqué les initiatives entreprises pour consolider les démocraties en Europe centrale et de l'Est, ainsi que les défis qui nous attendent. Le président américain a par ailleurs souligné que l'engagement et la gouverne des États-Unis sont et demeureront essentiels à la transformation pacifique de l'Europe. Cette vision d'une Europe unie, démocratique et paisible a été renforcée par une avancée majeure. Élargissement de l'OTAN à la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Ce faisant, les chefs de l'OTAN espèrent consolider ces jeunes démocraties pour mieux garantir leur contribution à la sécurité et à la stabilité de l'Europe. I can't believe it's all still here. Ah ben nous voilà dans une chambre noire. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a une thématique qui se répète entre deux jeux. Genre entre A Manque de Sleep et Martha is Dead. Il y avait la violence parentale, on va dire, je sais pas comment dire ça. Et là, on va voir les photos. Ok. Comment développer une photo? Ben ça t'inquiète, on l'a pris pendant... Martha est morte. Illuminer la photo pendant 5 secondes. Plonger. La palle deep. Dans le bain multigrade pendant 3 secondes. Plonger dans le bain d'arrêt pendant 3 secondes. Plonger dans le fixateur pendant 3 secondes. Ça, c'est exactement les étapes qui n'étaient pas dans Martha is Dead. Pour éviter que les scènes soient trop longues, vu qu'il y avait beaucoup de scènes de développement de photos. À noter, si quelqu'un tombe sur cette vidéo sans avoir vu l'autre à laquelle je fais référence, j'ai toute une playlist de Martha is Dead sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom que cette chaîne Twitch. Bon, pour le moment, les rediffs sont encore disponibles sur mon Twitch, mais right. Je vois plus plus éloigné l'échelle, je sais pas comment dire. Donc voilà, si un jour quelqu'un tombe là-dessus, bah peut-être que ce sera déjà sur ma chaîne YouTube, mais Martha is Dead, c'est un jeu qui est un peu particulier, mais sympa. Mais plutôt gore, donc à ne pas remarquer, à ne pas regarder quand on est un peu fragile. Ok.
1984. C'est le livre de George Orwell, ça? Avec Big Brother. Je l'ai à la maison. J'avais commencé à le lire, j'ai jamais fini. Il faudrait que je m'y remette un jour. Ah, je peux changer d'angle de vue. Oh, on a retrouvé le chat. Jack's room. It's like he never... Il a l'air mignon. Damn it. Qui n'a jamais quoi? Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Elle parle de son père en l'appelant Jack? C'était pas son père qui était mort? I used to think I'd never fit in. But Jack... He didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Si c'était pas son père, c'est qui? Keep hissing at me. Who do you think's gonna feed you now? Pauvre du chat. Come on, Jack. Where'd you put it? Okay. Let's do this the other way. C'est-à-dire LB, c'est ça. Cool. Bon, ben on a la pince. Okay, I think that's it. Jack's waiting downstairs. Time to say goodbye. Je peux pas rassurer le chat? Bon. Je t'abandonnerai pas, petit chat. J'espère, sinon je suis pas contente. Je vais quand même fouiller la pièce qui reste. Weird to be back in my old room. So many memories. D'accord, donc c'est bien son père. Ou alors elle a une chambre chez un parfait inconnu. I used to have a thing for him. Don't know why, really. I guess they just used to make me happy. Ça te fait plaisir d'avoir des papillons morts? That's why there's so many of them here. J'ai l'impression que je le redire dans chaque jeu, mais c'est vrai que c'est beau, hein, les papillons, mais c'est beau quand ça vole, surtout. Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. Ok, that's why donc... I kept coming back. Elle to a été play, adoptée. To take care of them. To pour listen. Ça qu'elle l'appelle pas that son was the least I could do. J'ai envie de tester, voir s'il se passe un truc. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Cher Monsieur Orcan, nous devons vous demander d'assister à la prochaine réunion parents-enseignants car nous aimerons évoquer avec vous les événements qui ont eu lieu jeudi dernier. Pour faire court, Marianne a transmis à un élève un message de sa grand-mère récemment défunte. Nous sommes conscients que Marianne cherchait à consoler son camarade, mais vous comprendrez bien que ce comportement est pour le moins inapproprié, étant donné qu'il ne s'agit pas du premier problème comportemental dont nous vous avons informé, nous estimons qu'il est grand temps d'organiser un rendez-vous pour envisager l'avenir de Marianne dans notre école. Sophia Cagna, principale de l'école primaire numéro 7 ou 12, je sais plus. Je dirais 7. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? I was such a dork. Carte d'admission aux urgences. Information générale. Marianne, 3 ans, féminin. Diagnostic principal, brûlure thermique au deuxième degré, couvrant 35% du corps, tronc et membres supérieurs, suspicion de blessure par inhalation. Soins et stabilisation, habillage des plaies, assistance respiratoire commencée, réanimation liquidienne commencée, traitement de la douleur commencée, patient placé sous oxygène à haut débit le temps d'écarter tout, l'empoisonnement au monoxyde de carbone. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. Euh,
C'est là la porte de sortie. We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Je suis en train de me demander si Heavy Rain n'y a pas une version PC qui me permettrait d'y jouer quand même. Le seul fait qu'il pleuve, ça me fait penser. De toute façon, ce jeu-là, clairement, je vais le continuer parce qu'il a l'air vraiment sympa. Déjà, il est très joli. Jack taught me to accept my condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. Je sais courir. Bah, si c'est le cas, pas pour le moment en tout cas. Ah, il y a un truc là. Black Goodbye. Funérarium. Même chose. Ok, y'a rien d'autre dans la pièce. Ouais, bon, je vais pas faire tout le tour non plus, mais. Hop. Jack's in the prep room. Mais je veux voir le papier. Oh, c'est quoi ça? Ah, Yggdrasil! Je sais pas qu'on pouvait associer Yggdrasil et Jésus. Here it is. Clé de la salle de préparation, ok. Bah, je l'ai trouvé avant de savoir que j'en avais besoin. Hop. Registre funèbre, nom du défunt, Adam Nowak. Contact famille 322-02-999. Information générale, sexe masculin, date de naissance le 2 mai 1976. Lieu de naissance, Cracovie, nom de la mère Anna, nom du père Stanislaw. Occupation étudiant, marié, date du décès 9 octobre 1999. C'est jeune, ça fait 23 ans ça non? Cause du décès, accident de voiture, service supplémentaire. Thanatopraxie, je sais pas ce que c'est, habillage du corps, maquillage non, coiffure non, technicien d'autopsie non, fleur oui, registre non, papeterie funéraire non. Jack, Madame Novak a apporté la compte pour les frais funéraires aujourd'hui, il est dans le meuble, Robert a pris son vendredi, il va falloir quelqu'un d'autre pour l'enterrement. Marianne. Donc ça c'est moi qui l'ai aidé. Ça c'est une photo de deux j'imagine. Comment je sais où est la salle de préparation? Prep room. Ah bah c'est là. Bon, je vois rien de quoi interagir ici. De ce que j'en sais, ce jeu est censé faire un peu peur. Mais je sais pas comment. Not sure if I'm ready for this. Bah, probablement pas. Est-ce qu'on l'est seulement un jour, ça? D'accord, donc il est à l'intérieur. Je vais regarder s'il y a rien avec quoi je peux interagir. Nope. Directement.
Quoi? I got your special clip. Now, where's your tie? Ah là. Je peux faire ça et ça pour les associer. Snazzy. You wouldn't have it any other way. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. There. I guess you're ready. Am I? People read the signs, it's closed. Ah, ça c'est le moment, ça commence à faire peur, c'est ça? J'aime pas l'obscurité. Il y a une silhouette là. Ok, je pense que je vais avoir peur. Je vois plus la silhouette là. C'est pire. Au secours. S'il vous plaît. Il y avait quelque chose là, non? Guess you felt it too, ah huh? Charlie m'a fait peur. J'ai décidé que machin, il ne laissa plus Charlie. And then it happened, as it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. So much for aging gracefully. Il sait pas qu'il est mort. Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. No, I can't just... What? Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong, dear? Why is it so cold in here? Where is that? Huh? It's okay, Jack. It's okay. My sweet little Marianne. C'est sympa le parallèle entre les deux. What would I ever do without you? Ça me file les frissons. Jack. Don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? Oh. I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital,
sure you're gonna be all right? Yes, Jack. It's gonna be fine. That's horrible. Oh, you know, I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. No risky stuff then. Huh? All right? All right, Jack. I need no. Yes, yes. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Ah ben, je confirme, ce jeu, il est vraiment cool. D'une demi-heure de jeu, je suis déjà en train de chialer. Je suis une fragile. Most people would give anything to have that opportunity. Tu m'étonnes. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help a thousand souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. But no. I was the only one. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look, if this is a joke... You'd need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Nemo Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Ah, c'est angoissant. Le prologue, il fait très bien son taf.
C'est trop cool. Ah, je suis contente. C'est une chouette découverte. J'avais un peu peur de me retrouver à court de jeu. Enfin, à court de jeu, non, il y a plein de jeux, mais... Encore faut-il tomber sur les bons. Et ceux auxquels j'ai pas déjà joué, parce que... Il y a des jeux auxquels j'ai joué que j'aimerais bien refaire. Et Outlast, etc. I'm nothing but a hunch. A call bien, c'est from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. I felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Et c'est suite à cette petite intro qu'on va arrêter le premier épisode. Je poursuivrai clairement ce jeu. Je ne sais pas si je vais déjà poursuivre aujourd'hui ou si ce sera un autre jour. Mais de toute façon, ça ne change pas grand-chose, parce que en admettant que quelqu'un regarde, bah, personne n'est en train de regarder en direct, donc... Donc voilà. Tout ça pour dire, je crois qu'on a trouvé un nouveau jeu, et qu'on va bien s'amuser. Bye bye !